C'est le moment du défi à l'aveugle. Je vais te donner les épices, puis tu choisiras celles qui te tentent pour mettre dans la recette. Oh boy! Donc j'en ai plusieurs pots. Là, je t'ai mis 6 pots d'épices devant toi. Ils ne sont pas identifiés. OK. Je vais ouvrir mon premier pot. Souvent, les deux premières épices, on arrive à les sentir. Une fois qu'on en a senti quelques-unes, c'est plus compliqué. Un autre toucher déjà, je vois que c'est, ça a un peu la texture de feuilles séchées. Et à l'odeur, ben moi, je trouve personnellement, ça sent le basilic. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, effectivement. C'est du basilic? Oui. OK. Et là... On va la garder proche parce que je pense qu'elle pourrait être bonne dans notre ragoût, celle-là. OK. Donc, ceux qu'on choisit, on peut-tu les mettre sur ta planche à toi? On va les mettre sur ma planche et on va les garder ouvertes. Parfait. Excellent. Deuxième pot. J'ai commencé par y toucher. Oh, OK. On a une texture poudreuse. Ça, ça me semble être de la sarriette. Je vais te prêter le pot. Qu'est-ce que t'en penses, Véro? C'est-tu de la sarriette? Non, moi, j'irais plus pour de la sauge. Ah, OK. C'est vrai, je pense que t'as raison. Puis ça serait quand même bon, de la sauge, dans notre recette d'aujourd'hui. Ça serait très bon, je l'ai gardé sur ma planche. Donc, mon prochain pot, encore une fois, au toucher, j'ai l'impression d'avoir des feuilles qui sont sèches. Ça sent pas super fort. Donc, je serais tenté de dire que c'est des feuilles de persil. Je vais le sentir. Non, ça sent très fort. Moi, je trouve que ça sent le thym. Je l'ai gardé aussi. On ouvre un autre pot. Juste au toucher, là, on voit que c'est un petit peu plus une texture qui est en poudre au lieu de des feuilles séchées. OK, j'ai de la misère à... À le distinguer, celui-là? Moi, celui-là, je le distingue parce que je vois la couleur. J'ai aucune idée, c'est quoi? Ça me donne un indice, mais... Ça sent le paprika. Ah, ben oui, tellement. Mais lui, je le mettrais pas dans mon ragoût de légumineuses. OK, parfait. Là, Véro, je viens de me rendre compte que c'est pas super évident de distinguer les différentes... les variétés d'herbes et d'épices. Non, effectivement, là, moi, j'ai l'air d'avoir d'être bien bonne comme ça. Je les ai sentis, mais c'est parce que c'est moi qui les avais sélectionnés. Donc, je savais qu'est-ce qu'il y avait dans les pots. C'est pour ça que j'ai trouvé les bonnes réponses. Ceux qui voient très bien utilisent les étiquettes sur les pots, sur les enveloppes. Mais à la maison, c'est très important de bien identifier nos pots ou nos enveloppes d'herbes. Puis même moi, à la maison, quand j'y range dans l'armoire, j'y range en ordre alphabétique. Fait que comme ça, quand je cherche le basilic, par exemple, ben, je passe pas à travers tous les pots. J'ai une idée approximative à quel endroit il se trouve. Puis si j'en sors une, ben, puis que c'est écrit poudre d'ail dessus, ben, je sais vers où aller, par exemple, pour trouver ce que j'ai besoin. Est-ce que je peux enlever mon loup? Oui, tu peux l'enlever.